mission composée de ministres et d'officiers supérieurs ghanéens était dans la capitale burkinabé ce mercredi 21 décembre 2022 afin de désamorcer rapidement la brouille diplomatique entre les deux pays, née des déclarations de Nana Akufo-Addo lors du dernier US Africa Leader Summit. Le président ghanéen n'avait pas hésité à affirmer que les autorités de la transition au Burkina Faso hébergent sur leur sol des mercenaires de la société russe Wagner à qui elles auraient d'ailleurs donné l'exploitation d'une mine d'or en contrepartie. Une telle déclaration faite avec autant de certitude avait provoqué le courroux du gouvernement burkinabé qui, dès le lendemain, a convoqué en urgence l'ambassadeur ghanéen Boniface Gambila Adagbila pour des explications. Le Burkina Faso avait en plus rappelé son ambassadeur en poste au Ghana. Ce mercredi, une mission ghanéenne conduite par le ministre de la Sécurité nationale, Albert Kandapa, est composée entre autres d'une dizaine de personnalités dont le général Francis Adou Amanfouache, conseiller spécial du président ghanéen sur l'initiative d'Accra, le chef d'état-major de l'armée du Ghana et des diplomates, est arrivé très tôt à Ouaga pour faire amende honorable. La composition de cette délégation dénote la volonté des autorités ghanéennes d'aplanir les divergences entre les deux États causées par les affirmations malencontreuses de Nana Akufo-Addo.